Alors, qu'est-ce que tu disais sur le pape? Non, rien. Qu'il avait un nichon sur la tête? C'est pas vrai, c'est toi qui le dis. Regardez-moi ce visage menteur. C'est votre ami de toujours, Maxime, et on se retrouve pour au paradis des trafiquants d'armes. C'est de la mission. Hein, on se retrouve pour Hitman Conheim 47 avec notre ami Stevie. Yeah. Donc, qui a un problème avec le pape. On l'aura compris. Je vais le ressortir pendant toute la vidéo. L'homme qui a l'art de toujours dire s'il faut pas. Au pire, je vous passerai le truc parce que normalement ça me l'a sauvegardé. Ça me sauvegarde toujours dès que je fais un truc. Donc là, vu que ça réussit, je passerai l'extrait à la fin de la vidéo. De sa phrase. Si on l'entend bien, au micro. Et bah justement, je vais te laisser leur expliquer, je dois aller aux toilettes. Non, s'il te plaît, tiens-le, deux secondes, je dois aller aux toilettes. J'aime tout, pas le coulage. J'ai déjà dit, j'aime pas commenter. Steve, prends le truc, je vais aux toilettes. Je reprends le casque après. Je dirai rien du tout. T'as raconté ta life, l'autre fois, j'ai écouté, c'était marrant. Je dis pas que tu peux pas. Si tu peux raconter. En plus, c'est sur Hitman. Ouais. J'ai jamais compris pourquoi Hitman a un code barre. Franchement, faudrait qu'on m'explique ça. Bon, je sais qu'il a été copié le perso, mais quand même. Putain, la prochaine fois que je dois tuer quelqu'un, je me commande un Hitman par la poste. Il devrait être bien. Oh, une puce. Putain, les bandes de salauds. Oh là là. Mais... c'est très bien ça. Wouah. Bibabou. Bibabou, bibabou, bibabou. Donc, notre cible, ce sera un certain Boris. Ouais. Donc, il va falloir qu'on tue Boris, le pauvre. Mais, d'abord, va falloir donc éliminer un gang de motards pour aller donner une mallette avec un mouchard à un ami de Boris, Ivan, qui est un clown de cirque. Et qu'il a une voix sur aiguë. Tu as? Je t'ai dit que c'est là, du con. Voilà, comme ça on voit bien parce qu'il y a des reflets là. Donc là, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour le buter. Oui, il me faut un costume. Parce que sinon, je vais avoir du très très mal à placer le mouchard sur la bagnole. Parce qu'il va falloir les rencontrer au point de rendez-vous. Je vous dis, on peut pas buter... Oh merde! Oh, il y a un petit coup de rame. C'était quand même un beau fail, hein, ça, t'es d'accord? Ouais. Donc là, on le fusille. J'ai enclenché le cheat code Gun Mode, hein, pour être sûr de pas recrever. Vous avez reconnu le cri de Wilhelm? Quand il te demande. Et le pire, c'est que je l'ai tellement bien placé. Ah non, c'est que maintenant que j'ai enclenché le cheat code. T'es big walouf! Toi qui mouche, pas moi, hein, toi qui merde. Je vous dis, je sais pas comment faire cette mission sans avoir le costume, hein, parce que je vous dis, on est obligé pour aller au club de strip. Tease. Et aussi, j'ai réussi à finir le Saints Row The Third à 100%, donc voilà, je pourrais enfin passer à Saints Row 4 tranquille. En fait, non, pour vous dire. C'est moi qui récupère tous les objets. Bien sûr, mon cul. Ouais. On va peut-être prendre ce qu'ils ont fait les autres gens. Allez, c'est... mais c'est comme moi qui atteint à 100%. Ouais. En tout cas, je te le dis, tu verras dans la vidéo quand tu réécouteras, mais le Ivan, il a une putain de voix de... On dirait qu'il s'est aspiré un grand coup d'hélium, tu verras.
Il parle comme ça avec une voix vraiment aiguë à l'hélium. Donc là, lui, il nous empêche de passer si on n'a pas le costume. Putain, il me rappelle quelqu'un. Il me rappelle Hervé Matou, le mec à la gueule. Je sais pas si tu connais Hervé Matou, mais il me rappelle beaucoup Hervé Matou, l'autre. Je vous mettrai une photo aussi. Peut-être en fin de vidéo aussi. Durant le moment où je passe ton extrait, je fais une photo d'Hervé Matou. Comme ça, tu te le matou. Donc là, on parle au barman qui nous montre comment rejoindre sa stripteaseuse. Vu que c'est le patron. C'est à la fois le barman et le patron. Donc là, on va aller dans sa petite loge à l'attendre. Il y a la classe quand même, Flaming, c'est le nom du gang. I have this guy watching my car. C'est ce que tu vas me dire. How about treating him to a good time on my account? Now I'm disappointed. I thought you were my date. No. Now where's this friend of yours? T'as vu, tu l'as dit. Outside. I'll be there in 20 seconds. Donc on lui propose d'aller draguer le mec à côté et de l'entraîner le plus loin possible de la bagnole. Parce que le problème, c'est que même avec un costume, si on pose le mouchard sur la bagnole, l'autre il nous gaule et essaye de nous buter. Hello, handsome. How about some company? Come on. Let's play a little. Un club de striptease de Saint Rose Terre. Okay, I guess I can leave the car and attend it for a few minutes. Ouais, mais ça me fait dans le GTA. Et ben j'emmerde GTA 4. Moi je t'emmerde. Connard. Connasse. Comment t'as su? Donc voilà, maintenant que les deux sont en train de batifoler un peu plus loin, et on va aller faire autre chose. On va aller modifier le chemin du train. Parce qu'on est comme ça. D'ailleurs, je me demande qui c'est qui est en train de piloter le train. Ouais. Je me demande qui pilote le train, franchement. Il est piloté automatiquement parce que tu verras. Un fantôme. Le mec, il se pose pas de questions. Tu vois, c'est bizarre, c'est pas mon itinéraire. Non. Le train super utile, il s'arrête nulle part. Attends, le mec il y a des arrêts un peu partout, il s'arrête nulle part. Ouais. Et t'as vu la vitesse qu'il va. Je vais pas m'arrêter. Je veux battre le record du monde. Donc là on va revoir comment vont Hervé Matou et l'autre Madame Mistinguette. Alors, comment allez-vous? Ah, ils ont l'air d'avoir fini. C'était rapide. Hein. J'avais le temps encore de me chercher un coca. Donc là, il y a son pote qui était dans le bar qui sort avec. Ne sortez pas cette phrase du contexte. Et il rentre dans la voiture pour aller au lieu de rendez-vous. Alors là, c'est un peu con, moi, je trouve. Ils sont deux mecs à aller dans la voiture. Et quand ils seront là-bas, ils seront une petite armée quand même, ils seront au moins 10. Là-bas. Normal. Alors à moins qu'ils étaient déjà là-bas de base, mais c'est con. Par contre, autre truc plus con, c'est qu'ils y vont tranquillement là, avec leur bagnole. Hein, dans le truc. Mais nous, on va devoir utiliser le train pour défoncer la porte parce que sinon on peut pas y rentrer. Je sais pas, ils ont dû traverser la grille. C'est des passe-murailles. Allez savoir. Donc là, c'est pour ça, lui. Le train va nous avoir être une utilité. Et là aussi, je peux vous dire que le lieu de rendez-vous est aléatoire. Il peut se trouver soit à l'ouest, soit à l'est, soit au sud. Moi, quand j'avais joué en vidéo, c'était à l'est, ben là, c'est à l'ouest. À l'ouest, petit à l'ouest. Ouais. Mais sinon, ça change pas grand-chose. Et aussi, les entrepôts sont gardés par des chiens. Des petits waf-waf. Et balou waf. Mais tu crois que je suis con ou quoi? Des chiens. Des chats. C'est des Doberman en plus. Ah, je crois que c'était des chatons. Non, c'est des chiens. Chats. T'imagines des chats qui t'attaquent dans un jeu comme ça? Call of Duty. Maintenant, votre arme ultime, c'est des chats. Eh ben ouais. Call of Duty Cat Ops. Et quel hasard, le train il passe juste... non, pas à ce moment-là. C'est le mec juste quand j'enclenche le truc. Oh, mais quel hasard, il arrive à ce moment-là, pile poil. Donc on va maintenant attendre qu'il arrive. Donc voilà. Petit moment où on va se faire chier.
l'ouest, petite à l'ouest. Je te plumerai. Je te plumerai la tête. Je te deviens. Tu deviendras chauve comme Hitman. Eh, le ciel il est bien fait quand même. Connard de train. Y'a qu'un wagon quand même, hein. Y'a que le wagon principal. Connard, il m'a tué. C'était quand même un beau fail, hein. C'est pour ça que le mot fail il est écrit en plus gros que les autres fois, parce que vraiment c'est le fail le plus mythique. Donc là les chiens se réveillent. Et vu que je suis ami des animaux et de la SPA, je les tue tous. Bon, je sais que je suis invincible mais bon. Tu remarqueras que des fois il y a un petit bug, je sais pas, des fois il m'enlève des points de vie alors que je suis censé être invincible. Bah là il me l'a déjà fait. Donc là je place le trou. Ouais, Hitman il s'en fout hein, du chien. Allez, là on récupère l'émetteur parce qu'on va devoir le placer dans la valise, si t'as tout compris, pour donner à Iva. Et donc il faut tuer tous ceux à l'entrepôt parce que sinon ce serait suspect, hein. Et va falloir tout cacher leurs cadavres. Oui, parce que s'il voit les cadavres, il aime pas. Bon, après les cadavres des chiens et le sang qui est par terre, il s'en fout. Il a peut-être eu ses règles. Il est tout seul, c'est normal. Putain, ouais, le mec il est venu tout seul au rendez-vous, il y a du sang par terre, il y a des cadavres de chiens, normal. Tant qu'il n'y a pas les cadavres des mecs. Hein. Donc là, on affronte aussi un mec avec une coupe afro, là, de la mort qui tue, et on affronte CJ. Hein. Ah, il est mort forever à lui. Si. Je t'ai vu embrasser un mec l'autre fois. C'était peut-être toi qui l'as embrassé, hein. Non. Vous serez tout de la vérité à la fin de la vidéo. Je te plumerai la tête. T'inquiète, je vais bientôt rôter. Je suis dégueulasse, et oui. Pas besoin de le dire. Ah bah moi c'est encore plus pire. Tu me donnes une boisson. La vie. Et tu vas avoir un gros robot qui va sortir de ma gorge. T'aurais à tort, ton rôle n'est pas en or, papa. Ok. Bon, évidemment, Hitman, il est tellement con, il prend toujours le costume des mecs, alors que je veux juste les déplacer. Il est con, Hitman. Là, il prend son arme. Putain, mais déplace. Le pire, c'est qu'on n'a pas le temps. Là, une fois qu'on les a tous tués, il y a un chrono qui se décompte. Hein. 3 minutes avant que l'autre con, il arrive. Enfin 3 ou 5 minutes, je sais plus. En tout cas là, il y a déjà du temps qui se... Donc là, j'en mets un en haut. Hitman, le pro de... On va jouer à cache-cache cadavre. C'est un beau jeu, hein. Je te plumerai la tête. Voilà, il a encore pris son costume, hein. Et ensuite, faudra prendre la valise et mettre le mouchard dedans. Par contre, c'est le Hitman avec lequel il prend le plus de rapidité les costumes, mais ça je l'avais déjà dit, mais je le redis pour Steve. T'as remarqué ? Dans tous les autres, il prend le temps de se baisser pour les prendre. Là, tu cliques sur le truc, instantanément, hop, changement de costume. C'est pratique, hein. Moins réaliste, mais pratique. Donc là, on met le truc. Nickel. Donc maintenant, on attend l'autre blaireau. Qui devrait plus tarder à venir. Moi, j'ai fait un beau ménage. Donc là, je te devine, j'étais en stress. Parce qu'au bout de 15 minutes de mission, je me suis dit... Hein, je me dis à chaque fois... Putain, j'espère qu'il va pas voir le cadavre. J'espère qu'il va pas voir le cadavre. J'espère qu'il est con comme un manchot. C'est bon, il est con comme un manchot. Mais il y a du sang partout. Il y a les carcasses de chiens qui restent dehors. Le mec, il voit rien. Toi, tu serais déjà barré, hein. Ouais, mais les carcasses de chiens. Et quand tu rentres à l'intérieur, il y a qu'un seul mec. Il est chauve et il est chelou. T'es... Désolé, hein, Hitman, mais t'es chelou. Donc là,
Par contre, un indice pour savoir où Ivan y vient, hein. Ça c'est toujours le cas, il vient toujours. Il s'arrête toujours vers là où il y a l'autre voiture déjà. Voilà. Parce que ça c'est aussi un truc que je me disais, mais d'où il va venir? Et là. Ok. Normal quoi. Je veux pas me faire chier à la contourner. Et si je traversais? Et quand je te disais qu'ils étaient pas ce muraille, hein. C'est pas pour déconner. Oui, bah ça se voit qu'il est un peu clown hein, dans le métier. Where are my weapons? Your merchandise can be collected in the appointed warehouse. The samples look promising. Let's do business again sometime. I want my money. Give it to me. Okay, calm down. Here it is. Qu'est-ce que je t'ai dit hein? Il avait on dirait vraiment une voix d'un mec qui a pris de l'hélium. Bon, encore une fois, il traverse sa bagnole hein. Eh, le mec, c'est pas passager de la limousine, c'est le chauffeur, t'as remarqué hein. Normal quoi. Normal toi aussi, si tu prendrais une limousine, tu serais le chauffeur. Donc là, je fais semblant de le suivre, mais la mission s'arrête, voilà. On a fini cette mission. J'espère que cette vidéo vous a plu avec notre cher ami Steve. On se retrouve prochainement pour la suite et la fin des missions à Rotterdam. Et en attendant, j'espère que vous ferez plein d'enfants et le mot de la fin. Au revoir.